Bon, ok, c'est très rare que j'oublie K.O. dans Super Smash Bros. Parce que dû au fait que tout dépend du dégât qu'il a subi, que sa puissance de son aura va être grande ou moins grande ou moins importante. T'sais, c'est un peu compliqué de jouer avec, mais à partir de 60% de dégâts, ça peut faire des ravages. Ah, ouais. Mais ça commence à faire des ravages à ce moment-là. Les deux fois que j'ai joué avec Picaro, c'était une fois en équipe, une fois un contre un, j'ai remporté mon match. Deux, trois, quatre, cinq. Avant tout s'enchaîner un combo sans la saisir. En partant d'un pied, hein. Dans les airs, ouais. Oh. Pour moi, ça peut arrêter un coup d'épée de Cloud, au moins. Dans les airs, surtout. Puis après ça, ben j'ai joué avec Bowser. Puis c'était juste un jeu de roulade qu'il faisait, fait que moi je tentais pas ben gros de continuer à jouer avec lui, même si je jouais si, quand même. Je jouais quand même fort là. Avec Clown. Moi pas intéressé moi à des jeux de de roulade. Ou de saisie, des roulades à saisir avant d'attaquer. C'est ça qui faisait souvent pas de temps, puis j'étais étourdissant. Ouais, là, j'aurais peut-être dû faire une attaque du plus côté ou tout simplement du en neutre. Oh! J'ai fait mon attaque smash au bon moment. Il a voulu, il pensait peut-être qu'il aurait pu anticiper ça en s'en allant derrière moi, mais il s'est trompé.